vraiment sympa de partager ce moment. Voilà. Et donc, ici à l'école Pasteur, on a fait déjà pas mal de choses cet été et l'année dernière. Et on va poursuivre l'ensemble des réalisations, puisque dans chaque école, on a fait un programme de rénovation des écoles. Bon, devant, on a changé les volets, les fenêtres, on a tout mis en double vitrage, c'est du simple vitrage. C'est tous les volets électriques, hein, on met tout électrique maintenant. En plus, il y a des grands volets, donc c'est très dur à ranger. Donc, on a fait cette côté-là. Ici, on a fait tout en double vitrage, mais ça, c'était fait entièrement par les ateliers. Hein. Tout en double vitrage, c'est en bois, là. Et puis, on a installé des volets cette année. Donc, c'est le bureau de la psychologue, le bureau de la directrice. C'est à l'image de ce qui va être refait au fur et à mesure dans toutes les classes de l'école. À savoir, notamment ici, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de gagner en valeur énergétique, forcément, puisque quand on rénove un bâtiment, on a aussi cette préoccupation quotidienne de pouvoir faire des économies d'énergie. Sur une partie du bâtiment, les déchets qui se mettent tout neufs ont été posés. Il n'y a pas eu de changement de châssis puisqu'ils étaient déjà en double vitrage. Par contre, on a rabaissé l'ensemble du plafond. Et tous ces travaux, quand même, ont coûté rien qu'en achat de matériaux 13 514 euros. C'est vous dire qu'après, si on rajoute la main d'œuvre du personnel, etc., l'investissement dans les écoles, il est là, il est bien présent.